J'ai mis dans mes mots quelques aveux silencieux, un silence d'affection qui se veut révérencieux, quelques courbettes littéraires faites pour vous plaire, s'inclinant humblement dans un échange épistolaire. Et puisqu'il ne m'est donné de vous embrasser, c'est du bout de ma plume que je viens déverser. Une tendresse naissante emplie d'allégresse, usant avec délicatesse de cette passerelle enchanteresse. Et lorsque la corde du temps aura cédé, celle qui bien malgré nous nous tient éloignés, les liens que nous aurons tissés durant cette apocalypse seront un chemin de soi révélant cette ellipse. Dans cette attente, j'ose quelque peu vous dire que c'est bel et bien votre âme qui m'inspire, et que s'il ne m'avait été donné de vous connaître, je n'aurais pas eu les mots pour cette lettre.